Hey, salut les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Call of Duty, Modern Warfare. Alors les amis, on nous a proposé Call of Duty Modern Warfare cette année. Donc voilà, je suis hype. Clairement, je suis hype. Je pense que c'est un petit peu comme toutes les autres années, mais bon, j'ai peur d'être déçu parce que voilà, c'est ce qui arrive avec les autres années. J'étais vachement hype au début, en regardant les gameplay, en regardant enfin les bandes annonces, etc. Et puis après, j'étais vachement déçu par ces Call of Duty. Mais là cette année, vous allez me dire, moi aussi c'était pareil et tout avant. Mais là cette année, j'ai quelque chose qui change parce que voilà, j'ai pu quand même regarder un petit peu les gameplay de Gotaga par exemple, qui allait aux États-Unis, etc. Tester ce jeu. Et vraiment, ce que j'aime dans ce Call of Duty, c'est qu'on peut avoir vraiment plus de réalisme. Et pousser le réalisme comme ça, je trouve ça vraiment super cool de la part de Call of Duty, parce que, j'ai envie de dire, c'est un peu un pari. C'est un truc un peu osé, tu vois, qui risque de pas forcément plaire à tous les joueurs, etc. Mais voilà, je respecte énormément, parce que moi j'adore le réalisme, et c'est un truc qui peut faire kiffer énormément de joueurs. Donc voilà, je suis encore plus hype cette année grâce à ça. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les amis, il vaut mieux se faire son avis soi-même. C'est pour ça que j'en viens à vous parler d'une alpha qui est prévue donc là bah, aujourd'hui à l'heure où sort cette vidéo. Alors les amis, pour le mode de jeu qui va nous être proposé ce week-end durant l'alpha, c'est un 2v2. Du coup en fait en gros il va falloir remporter 6 manches. Durant ces 6 manches, il va falloir éliminer ces deux adversaires. Sachant qu'une manche dure quand même 40 secondes. Donc ça va être un truc très très rapide. Il va falloir que ce soit super dynamique. Et en plus de ça, on a les armes qui vont changer à chaque round, enfin à chaque manche du coup. Alors, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. C'est cool parce que ça va nous permettre à la fois d'effleurer les armes du jeu, de se faire un peu la main sur toutes les armes. Mais bon, il y en a d'autres qui vont pas trop aimer, etc. Moi, je trouve que ça peut plutôt être cool. Et puis voilà, ça vous force à découvrir un peu toutes les armes. Du coup, on aura 5 cartes disponibles. Donc, la carte Stack, la carte King, la carte Speedball, la carte Doc et la carte Pine. Donc, pour jouer à cette alpha, il faut avoir une PlayStation 4. Alors, vous nécessitez pas forcément d'avoir le PlayStation Plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et pas forcément non plus, bah, il faut pas forcément acheter le jeu, le précommander, voilà. Au moins, on peut essayer sans forcément acheter. Je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà, je le rappelle, c'est une alpha. Une bêta arrivera par la suite. Donc voilà, restez calme, pas de soucis. Si vous avez une Xbox ou un PC, vous pourrez jouer par la suite. Voilà, c'est une petite alpha. J'appelle ça une petite mise en bouche. Donc durant cette alpha, je vous conseille sincèrement de vous faire la main, de vraiment un peu essayer de découvrir les armes, les nouvelles armes qu'on peut voir dans ce jeu, les techniques de combat, un peu parce que voilà, on tombe vraiment sur un jeu qui est beaucoup plus réaliste, dynamique, on va dire un petit peu rapide. Donc voilà, essayez de regarder un petit peu tous ces pôles, essayez de vous faire votre avis là-dessus. Et est-ce que vous aimez voilà, ce mode de jeu, ce changement au niveau de Call of Duty? Et puis voilà, comme je dis, on peut vraiment découvrir les amis en essayant. On peut regarder les streams, etc. C'est vraiment quelque chose de bien. Voilà, déjà on peut se faire notre première avis. Mais essayer, c'est vraiment très important. Donc voilà, vous pouvez télécharger l'alpha, c'est gratuit, c'est tout le week-end. Moi je compte sur vous les amis pour me dire ben, en dessous de cette vidéo, vos avis, vos ressentis sur ce nouveau Call of Duty. Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous avez peur peut-être d'être déçu par rapport aux autres années qui ont précédé? Je pense que je pourrais vous comprendre parce que c'était un petit peu mon cas. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire votre ressenti. J'essaierai de répondre un maximum à vos commentaires. Vous proposer du gameplay durant ce week-end ou essayer de, voilà, essayer de filmer tout ça. De faire mon mieux. Bah, d'ailleurs, pouvoir j'ai l'appel qui va décharger justement l'alpha. Donc là, on est vendredi. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, autre chose, posez-les-moi à Discord, Twitter, même sur les commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis, ben voilà, je compte sur vous pour lâcher ce plus gros pouce bleu. Partagez avec vos potes ben, cette vidéo pour leur expliquer comme quoi il y a l'alpha ce week-end et qu'ils doivent jouer, ils n'ont pas le choix. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, ben bon jeu sur ce nouveau Call of Duty.